C'est quoi votre nom? Monsieur Lou, c'est moi. Ah, mais Madriga! Mais on s'est connus il y a longtemps! Vous vous rappelez? Vous étiez pas dans la police, vous? Ça sent le poulet d'ici, hein? Peut-être. Le poulet, vous êtes sûr? Ah non, 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 j'ai pas dit ça! Le capitaine, c'est qui? C'est capitaine Adama? C'est qui maintenant? C'est capitaine Madriga, c'est le monsieur qui était avec le costume marron devant la porte. C'est quoi? Il est à la Casa del Papel. Il y a une banque en ville qu'on peut attaquer, etc. Ou? Y a moyen. Ok, et tu veux repartir normal? C'est qui le cerveau déjà? C'est qui le cerveau du... Moi, c'est moi. Eh, hey, tu veux qu'on fasse une répétition? Fais le client, moi je fais le braqueur, ok. Ah, capitaine. Voilà. Eh, hey, capitaine Madriga, vous allez bien? Tyson! Tu vas bien? Ça va, Tyson? Le soleil vient de se lever, et DiCaprio est toujours là. Ouais, ça va ou quoi, mon pote? Attends, je vais appeler Doucet, là. Non, parce que on a un braquage à faire, apparemment. On a un braquage à faire. Attends, comment je l'appelle? Non, je l'ai appelé Tyson, je crois. Tyson! Il s'appelait quand même Tyson Doucet, quoi. C'est nappe. Ah, voilà. Tu veux l'appeler auquel? Ah, c'est bon, ça sonne, il est là. Il est en ville. Réponds. Allô? Ouais, Tyson, ça va quoi, mon pote? Salut, ça va et toi? Ouais, tu m'as manqué, hein. Ouais, tant que ça, Lino. Ouais, je suis sur Hollywood Boulevard, là. Toi, t'es où? Je suis devant le Comico, j'ai amené un pote faire ses papiers. Ah, il vient d'arriver en ville? Ouais, il est arrivé hier, mais il vient de prendre seulement l'avion, il a le temps d'arriver, tout ça. Tout d'accord, ça, quoi, mais c'est un mec sûr, c'est un gars sûr? Non, il y a des chances, oui. Ah, il y a des chances, ok. Et sinon, t'as des nouvelles d'autres personnes qui sont censées, tu sais, par rapport à ce qu'on avait parlé hier, la répétition, tout ça. Ça, ouais, la ouais, répétition, ouais. Tu te souviens de Monsieur Hawk, ton ami? Ouais, bah, Brian Hawk. Oui, voilà, oui. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il a? Normalement, on doit le rencontrer ce soir. Enfin, il faut voir. Vas-y, parce vas-y, a... hey, tu sais quoi, j'arrive au Comico, on va discuter, d'accord? Ouais, ça marche, vas-y. Allez, bisous. Vas-y. Bisous, bisous. Attends, elle est bien ta voiture, toi. Eh, viens là, salopard, toi. Allez, dégage. J'aime bien le rouge, j'aime bien la voiture du soir, ça tombe bien. Attends, il est malade. Bon, putain, Brian Hawk, on va le revoir. Vous vous rappelez de Brian Hawk? Il était dans la police. Bah, je crois qu'il est plus dans la police maintenant. Ah ouais, je crois qu'il est passé du côté obscur. Hein. Je crois qu'il en avait marre du capitaine Gauthier. Oh là, oui, on va se calmer quand même. On va se calmer, on va pas faire les fous. Hein, sinon, on va se faire gronder au calme. Oh putain, ça va me faire tellement plaisir de voir Brian Hawk. Oh là, je veux pas que je croise les flics. Hein. Si jamais je croise les flics, je suis dans la merde. Brian Hawk. Voilà, et lui c'est un bon lui. Lui, vous vous rappelez, il cherchait qui avait tué Karim Boulboul. Bah, bizarrement, il a pas trouvé. Hein. Je sais pas qui c'est qui a tué Karim Boulboul. Ok, on est là. Ok, on se gare aussi. Voilà, là, attends, y'a un mec là. Je crois que c'est Tyson Doucet là. Je crois que c'est lui là. Tyson? Ouais. Ça va quoi, mon pote? Attends, vas-y, chien. Ah, voilà, salut. Nouvelle couleur au calme et tout, franchement, psartek, hein. Tu connais la tradition, hein. Voilà, psartek, c'est comme ah ça. Ah, ouais, non, c'est bon, j'ai pas envie. Non, mais c'est comme ça qu'on j'ai dit ça. J'ai pas envie de dans le coma. Non, non, t'inquiète. Ça va quoi? Ça va et toi? Attends, faut qu'on se check. Attends, t'es malade ou quoi, chien? Alors, attends, on va faire un truc bien. On va faire un truc bien, mon pote. Voilà, là, ah merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Viens là, ça fait bien. Viens là, mon pote, viens là, fais-moi un bisou, wesh. Fais-moi un bisou, Attends. Ouais, attends. Ah, voilà, là on est bien. Voilà. Ouais, ça c'est un cul, ça. Ça, mon pote. Eh, ils sont fragiles, ah, ici, les citoyens. Elle a... Ils sont fragiles, ici, les non, citoyens. Non, mais elle a tchoumé, mon gars, j'ai réussi à le péter, quoi. Moi, c'est un truc de ouf. Attends, je vais aller voir. Eh, attends, y'a quelqu'un au Comico ou pas? Bah, y'a mon pote qui est en train de faire ses papiers, donc je pense que ouais. Ah, ouais. Ok, attends, j'arrive. Oui, des flics. Wow. Vous allez vite là. Bonjour. Ah, bah, t'es là, monsieur la mouette. Ah, bah, oui, c'est vous allez. Bonsoir. Petite carte d'identité. Tu veux que je te parle? Bonsoir. Bonsoir, la police, vous allez bien? C'est par rapport à ma demande, vous vous rappelez? Par rapport oh la vache. Quand j'étais avec Captain Madriga hier. Zartek, la part d'identité, dis donc. Mais Tyson! Pour. Quoi? Ferme-la, wesh! Pour votre poste, vous l'expédie? Oui, voilà, effectivement, ouais. C'est Tom qui crie, là. Ça, c'est la lieutenant qui s'occupe des entretiens. Et donc, elle est pas là du week-end. C'est qui? C'est dimanche soir. Ah, dimanche soir! Ah, merci, apparemment. Ah, ouais, y'a pas de capitaine dimanche, de ce le capitaine non plus, il peut pas être là le week-end. Ah merde, d'accord, ok, bah je peux ah, comprendre. Bah, je oui, ça marche. Bah écoutez, bonne soirée, Paris, messieurs! La petite tenue Air France, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Monsieur? Oui. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Vous faites de l'ASMR? Par contre, moi, ils ont oublié de me donner des écouteurs dans l'avion. Non. Mais y'a trop de voix en fait, on peut s'isoler ou pas? J'entends trop de voix, on peut s'isoler ou pas? Ah oui, là c'est bon. Juste, je voulais juste savoir votre nom, s'il vous plaît. Mon nom de famille ou bien mon nom de scène? Non, ben votre nom complet. Alors écoutez, monsieur, c'est quoi votre nom déjà à vous? Dites-le moi en premier. Agent James Adams. Pardon? Agent James Adams. D'accord, ça marche. Ben écoutez, bonne journée, monsieur agent. C'est pour le retransmettre au capitaine? Non, mais le capitaine, je lui ai parlé. Je lui ai parlé hier, il est au courant.
Ouais, ben je lui dirai que vous êtes venu, c'est tout. Ah, mais j'ai son numéro de téléphone. J'ai son numéro de téléphone, je peux l'appeler si vous voulez. Vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, c'est DiCaprio. D'accord, merci. Ben avec plaisir. Vous allez bien, sinon? Ouais, bien. Vous. Ça raconte quoi? Ouais, je vous aime bien. Ouais, je suis pas... Voilà, je vous aime bien. Ben attendez, c'est quoi votre nom? Est-ce que vous pouvez répéter votre nom, s'il vous plaît? Ah, mon prénom, James. James comment? James. Non, mais James comment? Moi, c'est DiCaprio, vous, c'est James quelque chose. Agent James. Ok, agent James, calmez-vous. Ah, moi, je te dis, calme-toi. Allez, bonne soirée, agent. C'est des menaces? Ah non, c'est pas des menaces. Ça, c'est des menaces. Mais sinon, c'est pas des menaces. Ça, c'est une menace. Mais sinon, c'est pas des menaces. Hein. Okay. Et voilà, hey, maintenant, les flics, ils ont une matraque, ils ont des boots et tout. Eh, tu sais, mon petit gars, moi, ça fait 10 ans que je règne sur la ville avant même que tu viennes dans les couilles de ton père. Voilà, calme-toi, James. Hein. Ah, je rigole avec toi. Vas-y, passez une bonne soirée. Hein. C'est ça, ouais. Ouais, bonne soirée à vous aussi. Ça vous va bien, ça vous va bien, chauve. Ah, merci. Bon, Tyson. Ah, Nick. Ouais. Ouais, dis-moi. Bah, y'a personne, hein. Ceux qui sont chargés du recrutement, bah, je sais pas, ils prennent leur week-end bizarrement. C'est quoi ces flics, ça? Je comprends pas. Moi, j'étais chaud en plus, hein. Ah, bah. En vérité, j'étais chaud. Pas des mandats, monsieur Toussé. Ah, mais j'étais chaud, hein. Monsieur Toussé, tant que je vous ai, vous avez payé votre amende? Ah! Ah! Pas encore, non, j'ai 15 jours, donc ça va. Ah, ça, oui. Ça va venir. Doucet, calme-toi, calme-toi, Doucet, voilà. Calme-toi, bah parle doucement. Tu payes quoi tes amendes? À gauche. Ouais, j'ai fait un petit excès de vitesse et une conduite dangereuse. Tu as déjà mis la musique à fond et du coup, voilà. Ah tu ouais, peux vérifier tes prix pour un super héros. T'as cru dans ton Doucet, je t'ai pas entendu avec tout le monde qui parle. Ouais. Tu leur as t'as parlé aux flics par rapport à la répétition théâtrale qu'on a fait hier? Ah bah non, bah vas-y, parle là si tu veux, hein, écoute. Hein. Ah en non, fait, c'était mais magnifique quand même. Hein. Ils aiment pas trop, je crois, Shakespeare, tout ça, ils aiment pas trop. Non, ouais, ouais. Mais non, moi, non, mais moi je peux leur chanter une musique. Hein. Vous voulez que je chante une musique, monsieur les flics? Moi, j'ai pire Shakespeare. Allez-y, on vous écoute. Visez la banque, ça me fait pas peur. DiCaprio, il sera toujours, toujours à l'heure. T'inquiète, papa. T'inquiète pas, Roya. Wow, c'est beau. Le capitaine Madriga, c'est bon, mon c'est Roya. Bon, t'inquiète c'est même bon, pas. Alors, vous me prenez dans votre équipe ou pas? Pas mal, pas mal. Ok. Même si la mouette, t'en penses quoi? Il chante bien. Moi, je pense pour la chorale de la police, ça peut être pas mal. Hein. Oui, ouais. Voilà, calme-toi, calme-toi. Oui, je suis déhanché là. Voilà, je suis déhanché. Ça, ça m'a excité. Hein. Je vois ça. Ouais. Wow, non. Allez, bonne soirée. J'adore cette musique, c'est pour ça. Bonne soirée, bonne ouais, soirée. Ouais, viens, viens, la mouette, on y va. Bonne soirée. Il s'appelle la mouette? Bon, t'avances la mouette ou quoi? Comment ça se passe? La mouette? Ah, faudra m'expliquer, les gars, vos surnoms là. Pour d'autres familles. Comment ça, la mouette? Famille. Attends, la mouette? Il s'appelle vraiment la mouette? Jean-Michel Lamouette, c'est vrai. Attends, faut que je m'assoie là, c'est trop pour moi. Voilà, c'est trop pour moi là, y'a trop d'informations d'un coup là. Jean-Michel Lamouette. Et lui, tu sais qu'il s'appelle Jean-Michel Lamouette là? Mais je sais pas, il s'appelle Jean-Michel Lamouette lui. Vas-y, fais la mouette, imite la mouette pour moi. Pas mal, pas mal. Toi, t'appelles comment toi? T'appelles comment toi? Moi, c'est. Pablito, Pito Pinto. Comment? Pablito. Pablito, ok, très bien. Y'a vraiment des noms chelous ouais. Ici. Attends, hey, Tyson, je vais appeler le gars qu'on avait dit tout à l'heure. Et vous, c'est comment? Moi, c'est DiCaprio. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. DiCaprio. D'accord. Eh, mais j'arrive, hein. Bougez pas, j'arrive. Ouais, bah, dis-moi, dis-moi. Oh. Wesh! Oh. Wesh, oh, ça va quoi, mon pote? Je reconnais cette voix. Bah ouais, mon gars! Ça va quoi? T'as coupé ton téléphone pendant des mois? T'es parti où? T'es parti en Algérie ou quoi? C'est bien, on est parti voir la famille, vacances, ouais, tout ça. Ouais, je vois ça, ça se met bien, voilà. T'es où, Abdelharam? T'es où là? Écoute, je vais pas te mentir, là, je suis en train de tourner en moto. Bah arrête, oh, tu fais encore du roue arrière. Tu fais encore du roue arrière. T'es en train de me surveiller là? Mais non, mais viens, 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 je te connais, tu fais du roue arrière. Viens, je suis devant le Comico, faut qu'on discute là. Vas-y, j'arrive tout de suite. Bisous. Allah. Allez, bisous. Putain, elle est là. Ah ouais, je l'ai vu. Ah ouais, 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 ouais. Ah, je l'ai vu, elle. Elle a fait un malaise. Mais enceinte, couchée sur le banc, je sais pas elle si a fait c'est un malaise, elle a fait un malaise. Elle a fait un malaise. Ah oui, bah ça. Faut appeler l'ambulance. Faut appeler l'ambulance alors. Wesh, elle veut pas. Écartez-vous, les cylindres, les cylindres. Ah bah, elle est déjà écartée, non? Oh, mais c'est quoi cette voiture là? Oh putain. Allez, papy. La mouette. Il dit que t'as réussi à la voir? Ouais, ouais, c'est bon, il arrive, t'inquiète pas, il m'a dit qu'il faisait des tours en moto. T'es une jolie voiture, papy. Il va faire des conneries, lui. Par contre, j'ai qu'une bagnole de place. Allez, Ah bah, je montrais avec Oak, t'inquiète. J'irai sur sa moto. Ouais. Et il nous rejoint ici. Ah ouais, après, de toute façon, la mouette, il vole, hein. C'est pas un souci, hein. Ouah, la voiture. C'est un comique, ton pote, là. Ouah, la voiture. Mais c'est un truc. C'est la voiture ouf. À papy. Bonjour, ouais. Ah, papy. Ça va, quoi? Ouais. Ouais, 10-4. Attends, 10-4. Attends. C'est qui? Je fais le pare-brise, attends, je fais le pare-brise. T'as une tâche, t'as une tâche. Oh, ouais. Non, mais t'as une tâche. Magnifique, magnifique. T'as une tâche.
Ah oh, oh, le coup de pied ouais. Attention. T'as une tache papy sur ton pare-brise, c'est pour ça. Dick Barte. Oula, oula, oula. Monte pas sur mon auto. Ah pardon papy, j'ai pas fait exprès. C'est bon copain. Wesh. Wesh. Ça sent rien. Oh mais tu là. Il est mort. Vous aidez monsieur? Il a fait une roue arrière. Non, tout va bien. Il avait pas de casque, il a fait une roue arrière, il a pas de casque. Je suis pas une balance. Écartez-vous. Hein. Oui, monsieur, écartez-vous s'il vous plaît. Bah si, j'ai une casquette non. Dick, viens moi. Bon, c'est normal, trois flics là comme ça pour moi. Attends, 2 minutes. Non, bien juste voir, ils vont juste. Ouais, vas-y. Je suis pas un terroriste là, hein, monsieur, tranquille. Il va falloir qu'on se trompe de part. Voilà, messieurs, si vous auriez pas du travail par hasard ou autre? Non, pas pour le moment, non. Par contre, essayez d'aller à la brasserie. Moi, je vous laisse vous dire, je vais récupérer du cher du monde. Ah, vous pouvez aller chez la brasserie. Ouais, 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 je pense que t'as moyen d'avoir... Tu parles trop fort. Ça fait bien, en plus. C'est, si mes souvenirs sont bons, c'est 525$ le run, normalement. Donc, t'as moyen. Oh, t'as fait quoi, Rook? Pourquoi il t'emmène là? Je sais pas s'ils aiment pas ma gueule. Eh, monsieur, ah, ouais, ouais, s'il vous plaît. Ah ben, allez, Hawks, suis-les, wesh. Nickel, tout ça. Voilà. Obi, voilà. Wesh. Normalement, le patron est là. Il a mis un tweet. Donc, ouais, bon. Essayez d'aller voir la brasserie. Monsieur Costard. Il y a Papy, je crois. Et Papy, t'as peut-être un taxi en service pour le jeune homme là? Faudrait éviter de monter sur les véhicules d'autres personnes. Oui, non, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ah bah voilà. Oui, parce que vous savez que une égratignure et j'ai trop de fer dans ma tête, c'est incroyable. J'ai vraiment trop de fer dans ma tête. Tyson, viens. Attends, la mouette. Il parle trop, c'est abusé, il parle trop fort. Donc, je disais, vous savez qu'une égratignure sur le véhicule et on peut vous embarquer pour. Mais c'est mon ami. Dégâts matériels. Oui, mais c'est mon ami, c'est Papy, je le connais bien. Ah, vous le connaissez? Ah, ouais, c'est Papy. Il avait l'air assez. Il avait l'air assez énervé de la manière dont il traitait son véhicule. C'est parce qu'en fait, il sort de la maison de retraite, il a pas qu'une depuis 10 ans. C'est pour ça en fait il est un peu énervé, il est tendu. Il est tendu dans tous les termes. Hein. Je m'en contrefous un peu de sa vie sexuelle. Ah d'accord, donc vous devez comment dire protéger les citoyens, mais vous vous en foutez de leur vie. Ah bah d'accord, bah c'est beau. J'ai pas dit de leur vie, j'ai dit de leur vie sexuelle. Ah bah j'ai pas entendu sexuel, j'ai juste vu, il y a quand même le mot vie dans sexuel. Oui, moi je vais pas vous le cacher, j'ai entendu vie aussi, j'ai pas entendu sexuel. Merci la boîte. Ah d'accord. C'est quoi votre nom sinon? Moi c'est Cadet Perkins. Perkins? Ouais. Pourquoi vous avez un nom comme ça? Vous êtes quelle origine? Je suis anglais. Ah ouais? Vous parlez bien français hein? Ouais. Américain. Ah merci. De quelle ville? Oui. De Liberty City. Liberty City. C'est beau ça. Voilà, ouais. C'est beau. Bah écoutez, j'espère que vous faites bien votre travail. Hein. Mm. Moi j'attends mon collègue Brian Hawk là. Pourquoi vous l'avez embarqué? Parce que il faisait du wheeling devant le commissariat. Ah wheeling. Et bon, c'est un peu une conduite dangereuse. Ah, mais non, mais... Pour lui et pour les concitoyens. C'est pour pas user ses deux pneus. Il est économe, il utilise qu'un seul pneu. C'est pour ça qu'il lève la roue. C'est tout. C'est pas dangereux. Oui, mais bon, utiliser un pneu, deux pneus, c'était quand même dangereux de faire un wheeling. Hein. Ouais, ça va. On sait pas s'il va tomber sur son dos, se briser la nuque ou autre chose. Ok, je peux assister à sa GAV, là? Parce que j'aimerais pas qu'il aille en prison. Non, quoi. Non. Ah si, quand même. Non. Ah, bah non, s'il vous plaît, non, si quand même. Bah si. S'il vous plaît, monsieur, quand même. Monsieur, non. Monsieur, s'il vous plaît. Je vais pas user de la force. Ah, j'aime bien quand on est violent avec moi. Non, par contre, vous n'allez pas aller plus loin. Ah ouais? On parie? Hop là, la feinte. Hey, passe mon jambon, calme. Ça va, je rigole. Je peux l'attendre ici, je peux m'asseoir quand même. Il y a des sièges. Oui, vous pouvez l'attendre ici. Ah, quand même. Encore là, monsieur Friot. Mais n'allez pas plus loin. Oui, j'attends mon ami. Ah, c'est votre ami. Bah ouais. Hein. Bah c'est. Bah oui. Et il est fuite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Vous l'avez embarqué? Il est en prison? Mais il a fait. Mais non. Mais il a fait un wheeling devant le commissariat. Mais c'est ce que j'expliquais à votre collègue. Il est économe, il a pas envie d'utiliser ses deux pneus. Il en utilise qu'un seul. Ça arrive, non? C'est un peu la hesse en ce moment. Oui, mais n'empêche, c'est quand même une conduite dangereuse, monsieur. Ça va. Qu'est-ce que le danger? On peut traverser la route et se faire percuter par une voiture. Ça, c'est dangereux. Mais une moto. On va foutre un peu notre gueule quand même. Sur la tête de ma mère, c'est pas vrai. Je te jure. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il est où là? Vous l'avez embarqué où? Mais attendez qu'il revienne, c'est tout ce que vous avez à savoir. Mais moi ça me stresse moi! Je comprends pas pourquoi vous l'avez embarqué! Mais parce qu'il a fait. Parce qu'il a fait un wheelie devant. Oh, j'ai devant le commissariat, monsieur. Oh, j'ai soif. Sans casque. Oh, parlez pas avec moi, j'ai soif. Oh, j'ai trop soif. Oh, ouais. La vache. Ouais, ça paye. J'ai une limonade si vous voulez. Ah ouais, sans du tout calme. Ah, vas-y, sortez que ça partage même pas. Vas-y, tranquille.
protéger et servir les citoyens. Ça va, ça sert même pas une bouteille d'eau que ça va servir. Est-ce que je vois, vous en avez des bouteilles d'eau, monsieur? Bah ouais, mais elles sont à moitié vides. Hein. C'est pas fou. Hein. Je peux lui parler. Je peux lui parler à mon collègue. Non, pas de suite. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Patientez tranquillement. Non, c'est un non. Non, vous allez patienter tranquillement dans la salle d'attente. Ok. Hey! Ah ouais, d'accord. Donc lui, il s'en bat les couilles de ma vie. Ah bah okay. Voilà, votre collègue est parti. Ah non, mais il est là, il s'est enfui là, c'est pas. Ouais, il s'est cassé. Il s'est parti faire lui. Non, c'est bon. Ah merde, désolé. Ah, je sais pas, j'ai juste récupéré mes affaires là, voilà. C'est bon, là, regardez. Bah, sont... attendez, je prends mon portefeuille. Fais attention, Dick. T'inquiète, ouais, j'ai le permis. Ah, t'es sur la moto, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon, j'ai récupéré mon portefeuille. Ouais, démarre bien. Tenez, ouais. Il est là. Montrez-moi où les papiers se. Où mettez vos papiers sur cette crosse, s'il vous plaît. C'est bidon, regardez, là. Je suis curieux. Vous voyez pas qu'on peut. Sur. Waouh. Vous voyez pas juste à l'arrière le. Le siège noir là, bonsoir. Vous le relevez. Oula, par contre, monsieur en costard, vous allez arrêter de tenter de monter dans le. Mais j'ai pas fait exprès, je voulais monter sur la moto, mais j'ai pas fait exprès. Attention, hein, tu vas te faire arrêter. Mais j'ai pas fait exprès. Ça arrive. Alors, retourne dans le bureau. Bah, attendez, vous êtes d'accord? Vous allez pas me dire que genre c'est impossible de ranger quelque chose. On est d'accord. Allez. Tu vas arriver. Ah, mais dans le garde-boue la dernière fois, t'avais mis une arme à feu, Brian, te rappelles? Je vois pas de quoi tu parles, mais tu peux faites pas attention. Il est schizophrène, ce monsieur. Oui, je peux, mais bon. Moi, je suis schizophrène. Allez, monsieur. Ah bah, mon vieux. Allez, monsieur, vous sortez d'où déjà, comment t'as fait pour t'habiller comme ça? Bah, j'ai payé, regarde. Hein? Comme et tout monsieur. Le monde, hein? Ouais, qu'est-ce qui se passe? On dirait pas une deuxième fois. Brian, coopère avec la police, ouais. Merde! T'arrives, tu fous la merde! J'ai putain! Rien fait. Je comprends pas pourquoi il m'arrête. Voilà. Wow! 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 Oh, wow! Arrête-toi, fils de pute! Arrête-toi! Je te rends un peu par ici! Merde! Incroyable ça! Il a un pète au casque celui là-haut. Voilà, c'est incroyable ça! Il recule et repart, c'est normal. Tyson, il est où? Wesh, papy, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais, désolé pour. Bah, ouais, je suis désolé pour les gratinures de tout à l'heure sur le pare-brise. J'ai pas fait exprès. Ouais, et refais pas ça. Non. Ah! Vas-y! C'est parti! C'est parti! Allez, go! Ouais! Allez, go! C'est parti! M'oblige pas, papy, m'oblige pas! Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah ouais, non, arrête, ah. Je rigole. Wesh, mais toi, t'es sérieux? On peut plus rigoler avec toi? Bah quoi? Bah comme toi, papy, wesh, tranquille. J'ai pas fait exprès, oh là. Si, je rigole, là. Ok, réflexe. Oh. Réflexe. Réflexe. Ah calmez-vous. Ah calmez-vous. Ah ah. Voilà. Calmez-vous. Mais ça va pas, quoi? Papy. Il m'a foutu une patate dans la tête. Ah, hein. Mais j'ai peur, tu m'as montré ta patte de baseball, j'ai peur. Mais ça va pas, quoi? Ah, faut appeler une ambulance. Attendez, je ramasse mon chapeau. Ah, faut appeler une ambulance là. Oh. Wesh. Vous foutez de notre gueule. Non, mais... Il a la pêche. Hein. Tous les deux, chacun vous mettre contre le mur. Quel mur? Ça va, on s'est juste frappé là. Là-bas. Putain, mais c'est incroyable quoi. Là. On peut plus se dire bonjour maintenant, c'est fou hein. On peut plus se dire bonjour. Ah, ouais, se dire bonjour avec des points, je pense que c'est dire bonjour. Eh ben en Tchétchénie, c'est comme ça qu'on dit bonjour, excusez-nous. Oui, mais là, c'est pas la Tchétchénie. C'est vrai. Contrôle les papiers. Un point pour vous. Mais baissez vos armes, mais tranquille! Eh, c'est pas la guerre, les mecs! Voilà, tranquille! Ouais, c'est ça. James, tu contrôles la gauche, je contrôle la droite? Arrête de faire de l'ASMR, wesh. Ouais, si tu veux. James, pas d'ASMR. J'ai pas d'ASMR. Arrête de shooter, ça me stresse. Ça me stresse, ça m'excite en même temps. Alors, vous allez lever les mains, monsieur? Ouais, oui. C'est le but. Ouais, lever les mains. Les deux mains. Ah, mais je suis gaucher. J'arrive pas à lever mon bras droit. J'ai les deux mains levées, là. Ok. Alors, je vais vous fouiller, bougez pas. Alors, je vais vous fouiller. Je bouge pas. Vous... Oui, allez, James, tu arrêtes de répéter, s'il te plaît? Déjà, tu me tutoies pas. Ah! Donc toi tu me tutoies et moi j'ai pas envie de te tutoyer! Ok, d'accord. Mais bien sûr. Mais t'es malade toi, couche! Mais t'es malade! James, ouais. Alors monsieur, vous allez me montrer votre carte d'identité s'il vous plaît. Avec le plus grand des plaisirs. Alors, portefeuille. Étonné. Ok. Voilà! Ouais, okay. Sur, ok, ça marche. Donc, vous c'est monsieur Aprio. C'est ça. Je suppose que. Dick la peine, de mon prénom. Patate et tout ça, c'est pour. D'accord. C'est pour le taxi, ouais. Mais attendez, j'entends pas, on peut s'éloigner là parce que. Attendez, on va s'éloigner deux secondes. Ah ouais, mais d'accord, mais je savais même pas que c'était vous qui me parlez. Hop, vous mettez contre le mur juste ici en fait. Donc vous allez retournez-vous quand même, histoire que je puisse vous parler. Vous allez m'expliquer pourquoi vous avez frappé monsieur Mirini? Parce qu'en fait, il a sorti une batte de baseball. Au début, je veux dire bonjour. Non. Quoi? Non. La batte de baseball, il l'a sortie après que vous l'ayez frappé. Oui, justement, il a sorti la batte de baseball et j'ai eu peur.
Du coup, j'ai riposté. Mais c'est parti trop vite. Non. Mais si, mais demandez-lui. Il a frappé. Écoutez. Il a sorti d'abord la batte de baseball, il a re-rentré, et c'est à un moment-là que je l'ai frappé. Parce que j'ai eu peur. Je dis peut-être qu'il va la ressortir. Et effectivement, il l'a ressorti, il m'a tapé. Mais on est amis, on est potes. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Vous allez me suivre deux secondes. Oh là là, c'est impossible. Mais on est amis, monsieur. On fait ce qu'on veut, non? C'est pas un souci, si personne porte plainte. Eh bien, une agression. Mais c'est pas une agression. Commissariat. Mais c'est pas comme une agression. Comme vous le dites si bien, monsieur, on ne fait que protéger et servir. Là, on protège nos citoyens. Mais là, vous protégez pas, vous emmerdez, c'est pas pareil. Ah non, protège. C'était pas très violent, quoi. Voilà, c'était pas violent, on est d'accord. Non. Bah ouais, c'est rien. Voilà, c'est rien. Bien sûr. Papy, je t'ai agressé. Donc, monsieur Mérigny, on va vous demander. Monsieur Mérigny, on va vous demander si vous souhaitez porter plainte contre Monsieur Yaprio ou pas. Oh non, bah ça ira, y'a pas de problème. Ok, ça marche. Monsieur la police, faites-moi un bisou s'il vous plaît. Ce sera tout du coup. Faites-moi un bisou. Oula. Faites-moi un bisou. Monsieur, ce sera tout du coup ou pas. Non. Comme ça, non, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou quand même. Ouais, t'es sérieux toi? Ah, parce qu'il y a les caméras. Ah, ok, je comprends. Oh, ah, bah c'est pas grave. Toi, mon coquin, je te promets que tu vas me faire un bisou. D'accord. Attends, la nuit elle est passée et... Ok, il est toujours en garde à vue. Ah, l'ambulance elle est là, Alhamdoulilah. Ah, je crois que c'est Dieu qui vous a appelé, hein. Ah, heureusement vous êtes là, hein. Bonjour. Oui, pourquoi? J'ai une côte cassée. Papy là, comment il m'a déglingué. Ah, oui. Oh là, c'est un bon, hein. Papy c'est un bon, hein. Papy c'est un très très bon. Ah, vous avez une côte cassée carrément? J'ai une côte cassée. Ah, ça va, vous êtes sportif. Comment ça va? Une côte cassée, j'ai du mal à respirer, tu me dis ça va? Ah ouais, d'accord. Non, ça va dans ce sens-là, ça va plutôt, voilà, vous êtes pas... Oh, juste une côte. Allez, venez avec cassée. Ah, putain. Ah, sportif en plus, ça fait plaisir. Ah bah oui. Allez, bougez pas. De l'ambulancier, vous pourrez venir après, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on m'a pas touché comme ça. Pop. N'en profitez pas trop. Quel doigté là. Ouais, c'est un gentil doigté par contre. Ouais. Calmez-vous quand même. Ah merci. Non, pas de ce côté là, non. Ah, je me sens mieux là. Merci beaucoup. Pas de soucis. Oui, dites-moi. À l'intérieur, suivez-moi. Ah putain, ok. Attends, j'ai appelé Doucy. Ah bah, t'as dit quoi? J'arrive au Comico. Wesh, il était où lui? Viens, suis-moi. Par là qui? Wow! C'est quoi ça? J'ai vu! Voilà, j'ai vu! Il s'est passé quoi là? Il était là? Tu l'as déglingué? Eh, viens là quand je te parle! T'es sérieux toi? Comment ça tu... T'as même pas mis de déodorant. Calmez-vous. Pourquoi tu l'as déglingué? Réponds. Pourquoi tu l'as déglingué? T'es là, alors, vas-y. De un, tu me menaces pas. De deux. Pourquoi tu l'as déglingué? T'inquiète pas, c'est juste une petite remise en forme. Ah, bah voilà. Les tueurs, ils se relèvent. Ah, bah voilà. Bah moi aussi tout à l'heure, c'était juste une petite remise en forme avec papy. Pourtant, on m'a fait un procès. Ouais, on l'a pas fait. Voilà, un procès. Ça me dégoûte. Reviens. J'entends pas. Reviens. Je m'appelle pas reviens. Tu me tutoies pas et je suis pas ton pote. T'es pas mon pote non plus, tu commences à me casser la tête, toi. Excuse-moi. Il y a beaucoup de spectacles gratuits ici. Bouge pas, combien. Ah, donc agression à l'agent. Comment ça, agression à l'agent? C'est bien ça. Il a défoncé un gars, après il me tutoie. Il commence à me dire parle pas avec moi. Putain, lève-toi. Incroyable ça. Bref, allez, adieu. What the fuck? What the fuck? Ça devrait aller. Je vous laisse tranquille. Ça souvent. Non, laissez-moi tranquille avec ça, c'est bon. Oh putain, je connais bien cette pièce, hein. Voilà, je connais bien cette pièce, hein. Ouais. Ah bah oui, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Ah, c'est cool, hein. C'est bien, non? Non, c'est pas par là. Ah, c'est pas par là, ok. Je vais vous mettre une amende. Une amende? C'est passé. Mais il a défoncé. Monsieur Aprio a agressé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il m'a manqué de respect. Tu peux vérifier son casier judiciaire, s'il te plaît. Ça marche. Il est vierge comme ta sœur. Ouh. Outrage à l'argent en plus. Bah, c'est pas une insulte. Ces propos-là, c'est pas une insulte. Être vierge, c'est pas une insulte. Un de plus. C'est vrai que c'est une femme respectable. Oui. Bah voilà, voilà, merci. Vous commencez à me saouler, vous, ma vie. Ah voilà, bon. Ça commence. Regardez. Comme un chien. Ah, voilà. Je vous ai traité. Voilà comme un chien. Là, tu vois, là, ça commence. Voilà, ça commence à parler de chien et tout. 40, calme-toi un peu. Ouais.
C'est quoi votre nom déjà? James. James comment? James. Ah voilà, ça va pas donner son nom. Pourquoi vous voulez mon nom? Bah parce que vous connaissez le mien. Donc par logique, je vais connaître le vôtre. Ça paraît logique. D'accord, mais là y a pas de logique. Ok, 40. Mais je trouve que c'est... c'est dommage parce que je vous aimais bien, mais... Ah bah non, moi je vous aime pas, hein, je vous le dis direct. Hein. Ça va pas durer. Allez, je vous raccompagne. Ça marche. Allez, me faire payer 1000$, il est malade lui. Bon, y'a Brian, y'a Hawk qui m'attend là. Faut qu'on aille. Putain, faut que je paye 1000$. Est-ce que j'ai combien sur mon compte? J'ai 8000 ou 9000? Ah, je m'en bats les couilles. Ah, Hawk il est là, il m'attend. Putain. Et c'est 30, ouais, 30$ le menu. Donc je fais 30 x 4. 120, je suis bon en calcul mental. Bien joué. C'est bon. Bonsoir, William. Merci. A bientôt, 40. Oh, bonsoir. Il crie dans les oreilles lui. Ah bah voilà. Ah c'est des fils de la pute. Je dois payer 1000$. Parce que voilà. Ah j'ai frappé un flic, il m'a cassé les couilles. Ah il m'a manqué de respect, il m'a dit attends reviens. Je dis attends tu connais mon nom, il a pas voulu donner mon nom. Je lui mets une patte, j'ai fait pouah. Je l'ai mis comme ça. Ah non, non. Non mais c'est une démonstration, Voilà, je l'ai déglingué ou quoi. Mais je la vois ta démonstration. Il s'appelle James. Sinon. Drôle de démonstration. Vous comptez manger. Est-ce que je viendrai pas de vous voir en train de frapper mon véhicule? Je me suis trompé. Quoi? Votre véhicule? Non. Jamais de la vie. C'est moi qui ai pris un coup. Mais jamais de la vie. C'est la face à ce que vous proposez là. Mais j'ai pas touché votre véhicule. Pas du tout. Non, il m'a touché. Non, pas vous, mais l'un de vos collègues. Ah non, pas du tout. Donc vous l'utilisez comme véhicule quoi. Non, on n'a pas touché votre véhicule. Quoi? J'ai ouvert le coffre quand même. Bon messieurs, nous je pense qu'on va aller... Vas-y, vas-y, prends ta moto, on se casse. Ouais, vas-y. Je suis changé de véhicule vu qu'en moto j'ai l'impression de me faire arrêter là. Non, vas-y, prends la moto, t'inquiète. Premier point en parking et puis en... Vas-y, go. Vas-y, go parking. A bientôt, 40. Fais pas de bêtises. Monsieur, accélère. Casse la tête. Ah c'est bon, on s'en bat les couilles des flics, accélère. Ah je te jure. Sérieux toi? Gris tous les feux rouges, on s'en bat les couilles. Eh, le flic, comment... Wouh! Comment il s'appelle le flic? James comment? Il s'appelle James comment? C'est quoi son nom de famille? Ça c'est vraiment, je connais pas, c'est un nouveau. Eh, ce fils de pute, je vais... Il m'a frappé il t'a frappé? Ouais. Mais frère, porte plainte, t'es sérieux toi? T'inquiète, il voulait mettre une amende de 2000$, j'ai réussi à esquiver grâce à ça. Fils de pute, lui je vais l'enculer, je te jure, je vais déglinguer. Non mais t'inquiète, il fait le malin. Voyons, il fait le monstre avec moi là. Non mais même moi, il manquait de respect. Voilà, je lui mets une de ses pêches, mon pote, laisse tomber. Non mais t'inquiète, de toute façon, lui c'était dans mon visage. Mais attends, Hawk, j'ai pas compris, mais toi t'étais pas flic toi? Attends, faut que tu me racontes, j'ai bébé. Ah ouais, mais attends, faut que tu me racontes, moi j'ai loupé des épisodes hein. Moi je vais pas te mentir. Vas-y raconte-moi. Il y avait une période où j'avais l'impression que c'était moi le capitaine de police là, tu vois genre. Ouais. Il y avait aucun supérieur, il y avait personne, tu vois. Ouais. Et à la longue moi ça m'a saoulé, tu vois ce que je veux dire. Ouais je comprends. Et dis-toi avec tout le taf que je faisais, j'ai l'impression qu'on en battait les couilles. On faisait monter que ceux qu'on avait envie de faire monter. T'as raison ouais. Moi je faisais tout ça pour rien. Ouais t'avais pas de promotion ni rien. T'avais pas de promotion ouais. Wallo, je te jure. Wesh Tyson mon pote. Ça va quoi? Oh merde. Pardon. Pardon, j'ai pas fait exprès. Putain, à chaque fois je me trompe. Mon bras il déconne, voilà. Wesh, il est parti, Hawk. Ah là là. Wesh, non, il est parti chercher sa voiture. Bah, du coup, la mouette, enchanté. Enchanté du bébé. Moi je m'appelle DiCaprio, j'espère que tu vas bien. C'est quoi ton prénom? Moi c'est Jean-Michel. Jean-Michel, c'est beau. Et donc, tu es un pote de Tyson, tu es un ami de Tyson, c'est ça? C'est ça. D'accord, t'es un mec fiable ou pas? Bah, il pourrait te le dire. Ok. Hawk, Hawk. Ouais, dis-moi. Je te présente Jean-Michel la mouette. Jean-Michel la mouette, Hawk la mouette. Pas trouvé, jamais deviné. Hein. Ouais, mais du coup, Jean-Michel, moi, il y a un point en fait. Parce que tu vois, Tyson, je sais que c'est un gars sûr. Brian Hawk, c'est un mec extrêmement sûr, mais toi, je te connais pas. Donc, on va te faire passer un test. T'es d'accord ou pas? Ouais, il faut passer un test. Tu vas aller au Comico et tu vas essayer d'embrouiller les flics. Et tu vas voir comment. On va voir si tu vas essayer de t'en sortir ou pas. Moi, c'est un test que je propose. Pour... Enfin, nous, on est tous passés par là. Tu vois? Si t'arrives à éviter la GAV. La cellule, voilà. T'as réussi le test. Ça te va ou pas? Attends, je viens d'arriver au vide, je vais pas commencer à me tirer. Écoute-moi bien, c'était pas une question, ok? C'est un ordre. Tu vas aller voir un flic, ok? Tu vas lui dire nique la police. Tu vas aller voir l'agent 40. Tu vas demander à parler à l'agent 40 et tu vas lui dire nique la police. Et après, tu vas essayer de t'expliquer avec lui, d'accord? Parce qu'il m'a frappé moi, il a frappé aucun. Mais moi, j'aime pas les trucs comme ça, ok? Ouais. Mais il vous a frappé, mais moi, j'ai rien vu. Wesh, Matt. Mais toi, t'as un souci. T'es sûr que c'est un gars sûr, Tyson, lui? Ouais, c'est quoi ça, Tyson? Non. C'est pas la mouette, c'est la mauviette, hein? Voilà. C'est quoi ça? Jean-Michel la mouette, t'es sérieux? Franchement, si tu réussis pas le test, moi, ça m'intéresse pas de travailler avec toi. Vas-y, bon, on verra. On verra, ok, bah on va voir alors. Vas-y, let's go. On fait quoi? On prend une voiture? On prend la voiture, Place, bah oui, c'est une 4 places. Mais frère, c'est Kuruma, c'est normal, c'est une 4 places. Tyson, qu'est-ce que tu racontes? J'avais pas vu, c'est bon. Je crois que j'ai travaillé. Vas-y, la boîte. Vas-y, monte.
Ah là, moi je le sens chaud sa mère. Les gars, on arrive au comico, y'a personne qui parle. Hein. On souille la mouette il demande à parler à l'agent 40 et il lui dit nique la police. Vas-y. Vas-y, ça part en couille, tape ton mère sprint, hein, la mouette. Tu voles, tu voles. Nous, on a... Tu voles la mouette, tu voles. On a rien entendu, on a rien vu, nous on n'est pas témoin. Rien du tout. Voilà. Aïe. Vas-y, laisse-le, dis, arrête de frapper. C'est lui, je crois. Vas-y, on t'attend comme ça, si ça se part en couille. La mouette. Reviens. La mouette. Personne là-dedans. Mais devant le comico, devant le comico. Il est dehors. Devant le comico, frère, t'es sérieux. Ah, merde. Je peux vous aider, messieurs? Oh, c'est non, bon. Ça ira. C'est moi, monsieur. Putain, vous puez de la gueule, là, avec votre clope. Évitez de me souffler dans la gueule. Et je veux parler à monsieur... à l'agent 40. Il va pas tarder à arriver, vous pouvez l'attendre ensemble. Pas tarder à arriver, bah vas-y, bah je l'attends. Il m'a tué. Ah oui, parce que putain, ça pue ce truc là. Oh, le camion de dépannage, quoi. Elle a dit putain, vous puez de la gueule, wesh. Ton corps là, ça pue. Monsieur Dambo, je vous appelais dépannerie. Ouais, ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Ouais, salut, ça va bien, tranquille. Ouais, ça va, tranquille. Alors, ça dépanne toujours des gros moteurs. Les gros moteurs. Ah putain, j'avais pas reconnu. Comment il va, lui? Ça va ou quoi? Bah, ça va et toi? Mr. Montgomery. Bah, c'est toi, ça va ou quoi? Ah, on est là, hein. On essaye de. Ah, bah, je vois ça. T'étais où là avant quand t'étais pas là? J'étais au bled. Il y avait Ramadan, tout ça. Ah, l'Aïd. C'est vrai? Bah, oui. Ah, bon. T'es pas parti? T'as découpé les chèvres, tout ça là. Moi, je suis parti, ouais. Mais je fais souvent des allers à tout, moi, c'est pour ça, moi. Lui, c'est 3 mois, tu vois. 3 mois, l'Aïd. Ben alors, il a raison, ouais. Il fait l'Aïd qu'il veut, hein, c'est lui qui décide. Hein, non, parce qu'il y avait prolongation, tir au pénalty et tout, c'était compliqué, les gars. C'est ça. D'accord. Ouais, je comprends, ouais. Ok, donc c'est qui qui a cassé la voiture là? C'est la police encore, quoi. C'est lui. Bah ouais. Bon, qui tue aussi. Ça change pas, ça, par contre, hein, ça change. Ah là là. Bon, attends, je vais regarder ce qu'il y a là. Attends, l'agent 40, il est où, putain? Ouh putain, ça fume là! T'as cassé le truc là? Hein. Ah, c'est fermé! Faudrait mouver le. Merci! La mouette, appelle la police! Appelle avec ton téléphone! Réponds pas, hein! Réponds pas, bah viens la boîte, viens! Viens, on change de plan, viens! C'est quoi alors, du coup? Tu vas voir. Attends, par contre, c'est normal que j'entends mon téléphone qui sonne là dans mes putains d'oreilles là! Ah ouais, je pense, des fois le réseau il déconne, je pense! Bah écoute, du coup, je pense qu'il va pas venir à l'agent 40, tu vas aller voir l'agent devant le comico et tu vas dire nique la police! Dépêche-toi, il va partir là. Eh monsieur, je peux vous dire un truc? Oui. La police, hein. Que? Pas la police. Il a dit la police. Ça à toi, ça. Wesh, toi, t'as ça à toi. Il a juste la police, il a rien dit d'autre. Mais t'as gagné l'auto, toi, non? Ah non. T'as wesh, pas gagné la mouette. L'auto? T'as fait ça déjà? La mouette. Hein? C'était pas ça. La mouette. Ah, il s'appelle la mouette. Mais c'était pas ça qu'il fallait dire. Mais fallait dire nique la police. La police. Non, t'as pas dit nique la police. Oh là, oh, t'as juste dit la police. Il a dit quoi? Il a juste dit la police. Il a juste dit la police. Mais il est sérieux. Et après, il est venu chez toi là. Mais ouais, genre, il était tout fier et tout. Dit, t'inquiète. Bah ouais. Mais frère, oh, j'ai dit la police. Faut dire nique la police, pas la police. On s'en bat les couilles de la police, t'es sérieux? Vite, allez, il est de retour, vas-y, go. Bah, tu dis nique les handek, tu vois, ça dépend. Toi, en pète. Bon, si vous attendez 40, je peux vous faire. Je vous aider pour autre chose. Moi j'avais un truc à vous dire, nique la police. Si vous savez que je viens de faire votre carte d'identité, hein. Oui. Je peux l'annuler directement votre carte d'identité. Oula, non. Ah bah si. Alors, bon, je sais ce que vous venez de dire, hein. Vous excusez un peu. Oui. Quoi? Tu t'excuses la mouette? C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, moi je vous dis des trucs. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ah la mouette! Regardez, vu 15 minutes. Oula. Assume la mouette! La mouette, assume! Assume la mouette! Dis ce que t'as à dire à la police, allez! Crache ton venin! Bah oui, mais ça y est, c'est 36 là. Non, t'as pas dit ça, tu veux dire un autre truc! T'avais dit un truc par rapport à sa mère et tout! Oui? Ah bon? Ah non, j'ai jamais insulté sa mère par contre! C'est pas, il t'entendait. Qui? Ah, c'est pas l'agent 40. Sincèrement, je savais pas que t'assumais plus que tu disais. Ça, c'est si vous le redites, vous savez maintenant ce que vous pouvez endurer. En tout cas, moi, il s'est pas excusé. Hein. Ouais, ce sera. Allez, on y va. Après, tu as la coupe mulet qui. La coupe mulet. Mais si jamais elle est. Vas-y, bouge. Voilà, la mouette, t'es pas un mec sûr.
Ah, c'était... je suis déçu de ouf, la mouette. Hein. Ah ouais, je suis déçu de ouf. Attends. Eh, Tyson. Oui, oui. À ton tour, oui. À ton tour. T'es sérieux, toi? À ton tour, wesh. Ouais. Attends, c'est moi qui ferai parler de trucs. Bah, non, mais attends, moi j'ai jamais vu comment tu te comportes avec les flics en vérité. Hein. Faut que t'ailles insulter les flics t'as et tout. T'as pas entendu ce qu'a dit le capitaine hier déjà? Non. Non, mais le capitaine il est pas là. Tu dis nique la police, il dit quoi? Tu dis je te nique ta mère. Allez, Tyson. Vas-y. Tiens, on est juste à côté. Attends, bouge comme pas. Vas-y, descends. Parfait. Allez. Qu'est-ce qu'ils rigolent les quatre là ce soir? Attends, je peux pas maintenant. Attends, vas-y, bouge. Ah merde, il a fermé. Doucement, on peut vous aider? Allez, moi j'ai du travail, moi. Bon courage. J'ai un petit message à vous faire passer. Voilà, sur le trottoir, allez-y, je vous écoute. Oh, ça veut plus. Tiens, la mouette, il a dit nique la police et niquez vos mères. Enfin, on a dit ça en partant. Après, wow. Moi, je dis ça, je dis rien. Et l'année donc, prochaine, vous passez en CP, c'est ça? Ah bon? Ah bah écoutez, pourquoi pas? Putain, sans déconner. Oh bah, bonne soirée, c'est la gens. Allez. Ah, j'ai mal. Ouh. Allez, ben, on y va. Ça oui. Fait de la peine. Yo, Jackie. Ouf. Ah, vous jouez ce que dit? Ouais. Dis-moi, c'est une garderie ou c'est quoi ça? Attends, frère, t'as une arme? T'as une arme ou pas? T'as une arme? D'accord. Non, mais. On voit rien ici. T'inquiète, t'as une arme ou pas? Vas-y, montre. C'est quoi ça ce que c'est là? Ok. Eh, frère, on va braquer Doucet. On va braquer le mec là. C'est pas des mecs sûrs. On va essayer de les faire parler, ok? C'est quoi? On leur met un peu de pression. Vas-y. On voit comment ils réagissent. Vas-y. Si on balance des trucs comme ça. Vas-y, ça marche, go. Eh, attends. Vas-y. Ouais, parking isolé, vas-y, go. Eh, coupe mulet, il est où là? La moitié. Il arrive, il a un petit souci, il arrive. Ok, on l'attend. Ouais, il y en a plusieurs. Faut qu'on trouve un endroit sérieux, par contre. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. On est tranquille, on peut procéder. Mais attends, mais la mouette, c'est pas un mec sûr, hein. Enfin, même Tyson, toi, tu t'es dégonflé, hein. C'est quoi ça? N'importe quoi. Je l'ai dit, moi. Non, t'as dit, j'ai un message à faire passer. La mouette, il a dit ça. T'as pas assumé. Ouais, t'es sérieux, hein? C'était lui à la base qui devait le dire. Non, j'ai dit Tyson, c'est à toi de prouver que t'es un mec sérieux. Je t'ai pas dit Tyson, répète ce que la mouette a pas voulu oui, dire. Mais moi, il faut pas que le capitaine me trompe dans le. Mais le capitaine, il est pas là, on s'en bat les couilles. Ah, la mouette, oui, mon gars sûr, vas-y, viens. Vas-y, on bouge, Eh, hey, la mouette, comment t'as assuré tout à l'heure? Voilà, psarté, hein. C'est à moi, respect. Bah écoute, tant mieux. Bon. Là, faut qu'on discute du plan, les gars. Faut qu'on discute du plan. Casa del Papel, tout ça, là. Cet endroit, oui, c'est vraiment un endroit privé, les gars. Faudrait que vous le montrez à personne, d'accord? Ça marche. Ils savent pas qu'ils vont se faire sauter, les mecs. Je cherche des coins tranquilles pour pouvoir discuter. Ah ouais, Brian, lui, ça. Déranger, si c'est un tueur, lui. Ah ouais, lui, il connaît les endroits. Bah, heureusement que t'étais ancien flic, hein. Ça aide quand même, hein. Le repérage, tout ça. Et Tyson, sinon, l'équipe là, elle est au complet là? Ton braquage du siècle là, c'est ça l'équipe? Non, il y en a deux qui doivent arriver. Wouah, ça a l'air stylé ici, hein. Oh, voilà que moi. Ça a l'air stylé de ouf. Ah, t'inquiète, ici c'est privé, c'est discret. Putain, c'est bien là. On va parler sérieux. Parce que moi, j'ai pas bon, allez les mecs, contre le mur, dépêchez-vous là. Mulet, tout allez, ça là, coupe deux. De mulet, tout ça devant, allez hop. Bon. Soi-disant, les mecs sont sûrs. Mais vous êtes des rigolos, vous les mecs. Quand on vous dit d'aller parler aux flics et de leur mettre un coup de pression, on n'est pas une garderie, les mecs, hein. Nous, on est des mecs sérieux, on a envie de faire du sale, on a envie de faire de l'argent. On n'a pas envie de faire des couches culottes remplies de caca. C'est quoi ce que vous avez fait là? Mulet? Ou la mouette, ou je sais pas comment t'appelles, c'est quoi ce délire? Quand j'ai dit d'aller parler à un flic, tu lui mets un coup de pression, un vrai? Sinon, moi, je te fais pas confiance. Et je commence à devenir un peu tendu, si tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord. D'accord quoi? D'accord qui là? D'accord. Tu vas faire quoi du coup? T'as cru que j'allais te confier ma vie entre tes mains là? Toi, t'es là, tu débarques, on s'est même pas quitté et on te demande un truc juste pour prouver que t'es un mec sûr, tu fais n'importe quoi. Et t'arrives en me disant ouais, je lui ai dit. T'as rien dit du tout, mon pote. Et Tyson là, Zama, t'essayes de rattraper ton coup, mais c'est quoi ce délire là? Explique-toi là. Je te parle, je pense que t'étais un gars sûr. Ah, mais c'est moi qui ai tout planifié donc pourquoi? Mais tu planifies rien du tout! T'arrives même pas à parler correctement à des flics! Comment tu vas te sortir d'un braquage si t'arrives même pas à insulter un flic en t'en sortant correctement? Qui me dit? Qu'à la fin, t'aurais pas tout gardé pour toi et tu nous aurais tous mis dans la merde. Tu n'as pas l'intérêt de faire ça. Le but, c'est qu'on y aille ensemble. Bah là, t'es pas fiable, hein. T'as commencé à dire, ah, oh, la mouette, il a dit ça. Mais il a rien dit. Tu vois, rien que ça, t'es pas fiable. J'étais juste à côté. Un braquage verbal avec les flics et t'as foiré. Imagine un vrai braquage. Moi, je pourrais pas te faire confiance, je suis désolé. Faut que tu me prouves ta loyauté, toi et ton pote. Parce que moi, Hawk, je le connais, c'est un mec sûr, mais vous deux, je vous connais pas bien encore, hein. Je suis désolé, les mecs, faudra faire vos preuves, hein. Nous, avec Hawk, tu vois, on est des professionnels, tu vois. On est arrivé, on vous a braqué sans aucun souci, tu vois. Vous êtes tombé dans le piège. Faudra faire la même chose, les gars, avec d'autres personnes. Faut les faire tomber dans le piège, ok? Et si vous réussissez le test, bon, on travaille ensemble, y a pas
pas de soucis, vous êtes d'accord ou pas? Eh bah ça marche, pas de problème. La mouette. Oui, la mouette. Dit, nous, c'est... Non mais je te pose la question à toi, la mouette. Ah mais moi, braquer des gens... Quoi? Termine tes phrases. Là, c'est en plus. Moi, braquer des gens, c'est non, c'est non. Ah mais toi, t'as pas compris, toi. Toi, t'as pas compris, la mouette. Toi, t'as pas compris, c'est pas possible. Comment ça, c'est non, wesh? Mais tu sais qu'un braquage, c'est... Donc toi, tu veux pas braquer des gens, mais tu veux braquer la banque, quoi. C'est ça tes principes? C'est comme si, ouais, il est mal, enfin, c'est... je travaille pas avec lui, moi. Je te dis direct, moi, je travaille pas avec lui. Viens, Brian, viens, on se casse. Moi, je travaille pas avec des amateurs comme ça, ça va pas ou quoi? Attends, pas déconner, le mec. Tyson, hein. Vraiment faire des preuves, hein. Je pense qu'on va y aller, c'est comme ça. Ils sont malades ou quoi, eux? Voilà, j'ai rien compris. Il a dit, voilà, j'ai rien compris. Bah, c'est le carnage. N'importe quoi. C'est quoi ces gens, là, wesh? Ils veulent braquer des banques, ils veulent pas braquer des gens, ils veulent pas parler aux flics. Mais ils ont pas de couilles ou quoi? Ouais, c'est un délire. Cette mouette, j'ai pas compris. Voilà. Cette mouette, là. Voilà. Bon, ok. Moi je te dis, je confie pas ma vie à n'importe qui. Hein. Ah ouais, ça va pas ou quoi? Et toi? Attends, y'a Tyson qui m'appelle. Vas-y. Allô? Dick? Ouais? C'est tout. Bah, on est là quoi, pourquoi? Vas-y, je te montre ma sincérité, tout ce que tu veux. Vas-y. Tu montres quoi? Je te montre la loyauté, tout ce que tu veux voir, vas-y. Ok, ça marche. Bah vas-y, envoie-moi ta position. Ça marche. Eh, tu sais quoi, y'a Tyson là. Il veut montrer sa loyauté et je sais pas quoi là. Eh, par contre, la mouette, il sert à rien. Hein. Il sert à R lui. Hein. Ouais, c'est sûr. Mec, il sait. Déjà, on l'entend même pas parler, il parle dans sa barbe. Il vient de la campagne, ce mec. Oh là, c'est quoi ça? C'est nappe. Eh, mais moi je te dis, hein. Doucet, soi-disant, le cerveau. Mais frère, rien du tout. Je sais pas quoi. Voilà, cerveau de rien du tout, Mskin. Voilà, je suis sûr que tu lui mets une équation, il sera même pas répondre. De ouf. Faut qu'on croise des gens, faut qu'il les soulève et tout, tu vois. Faut qu'ils mettent un casque et tout, tu vois. Y a pas beaucoup de gens qui vont se mouiller. Hein. Limite, tu les envoies sur une moto, tu vois. Comme ça, au moins, tu leur montres qu'ils ont un peu de chance de s'en sortir. Ouais. Tu vois. Ouais. Et comme ça, ils auront un peu plus de couilles que la normale, quoi. Ouais, faut qu'ils se prennent des masques et tout, tu vois, des cagoules. Parce que moi, ouais. Faut qu'ils changent d'avis et tout ça. Là, ils vont se prendre une amende, on va dire $1000. Mais ce qu'ils vont faire quand ils vont taper le braquage? Ils vont pouvoir compenser ça, je ne sais combien. Bah oui, c'est ça le truc. Même sur l'histoire de braquage, je sais même pas s'il y a de l'argent dans le coffre et tout. Je sais même pas si c'est vrai son histoire. C'est quelle banque déjà? Parce que moi je connais. C'est la banque fédérale, la grosse banque. Ouais, la grosse banque là. La Pacifique là, tout au nord. Non, c'est en ville. Boulevard. Ouais, je doucet. Vas-y, monte. Alors, il est où ton pote là? Il est parti? Il est viré, c'est bon. Ah, tu l'as viré? Ah bah voilà. Attends. Il est viré. Mais là, moi je lui dis, il y a un problème. Attends, fais demi-tour. Il en sait trop là, ta mouette là. Non mais tranquille, on va le retrouver. Va dans le ghetto là. Prends la première à droite là. Wesh, la mouette. Oui. T'es viré, tu sais ça ou pas? Code 9. Hein? Bah écoute, tant pis hein. Ah, c'est pas grave, tu trouveras un autre métier, t'inquiète pas, Ruby. Mais bien sûr, t'inquiète pas, j'ai de bonnes ressources, on va dire. Mais ok, ça marche. Allez, de toute façon, t'es un grand gaillard, que j'ai envie de dire. Oui, allez, salut les mecs hein. Allez, à la prochaine. Ouais. Allez, à plus. Attends, ok, va dans le hood là. Ouais. Y'a des mecs là, j'ai envie qu'ils les embrouillent. Tyson, faut que t'ailles parler au mec. Attends. Faut que t'ailles embrouiller les mecs. J'ai cherché de l'eau, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien. On s'en fout. Faut que t'ailles embrouiller les mecs là. Faut que t'ailles embrouiller les mecs là. Ils ont réagi. Insulte-les, tu tapes. Faut les bases pour savoir si tu sais bien te taper, ok? What? Le trottoir, il l'a vaincu. Tyson! Dick. Tyson! T'es sérieux? Attends là, t'es sérieux que le trottoir t'a glissé dessus comme ça? Allo? C'est Allô. Merde! Attends, désolé, je vais le réveiller. Ah putain.